Bonjour à tous, bon réveil sur la Fondation Maloua Télévision. On vous retrouve comme chaque matin à l'occasion de cette émission Morning FM qui ouvre essentiellement ses portes pour vous informer, surtout pour vous accompagner. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h juste, n'est-ce pas? Exactement. Divine Ciel, avec moi. Exactement, nous sommes là jusqu'à 11h30, 11h juste. 11h juste, voilà. Pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Et surtout des moments de partage et de connaissances. Il y aura l'information par exemple à 10h avec les 30 minutes d'information qui aura justement le flash info. On aura droit à appel en province pour prendre justement toutes les informations, tout ce qui se passe. La découverte, la petite école, oui. Voilà, c'est très important. Et il y a encore quoi? Nous, on a oublié nos amis de Lingala, et voilà, la rédaction. De Lingala, certainement, oui, qui sera, voilà, les amis, la rédaction sera des nôtres, justement, pour la suite de ces programmes. Comment vas-tu d'abord? Je ne sais même pas demander, Divine. Ça va très bien, et toi? Ça en va te regardant bien. Déjà comme ça, tu vas bien. Non, il ne faut pas suivre les. Méfie... Avec la cravate, là, tu méfie... vas pas bien. Méfiez-vous des apparences. Donc, tu ne vas pas bien, tu es malade? Non, enfin, pas forcément, mais j'ai beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Oui, liés au fait? Ça a été là où tu étais hier. Très bien, en tout cas, ça s'est très bien passé. On a pleuré, mais bon. Tu as réussi à transmettre de l'amitié. Oui. Et surtout. Surtout de l'amour. Hein? On a transmis de l'amour. Quel genre d'amour? Amour agapé. Ça n'existe plus, ça. Honnêtement, ça n'existe pas. Ça alors, existe. C'est la diva, la charmante Divine Ciel. Aujourd'hui, un peu d'épargne. Hein? Oui. On reste mode africain. Ça continue, hein. Ça continue. Moi, je souhaite que ça reste toujours et donner valeur justement à nos cultures. Mais on va ensemble remercier et saluer l'équipe qui nous accompagne ce exactement. Matin. Moi, je vous laisse en tout cas saluer les gens qui sont avec nous. D'ailleurs, c'est Héros d'Alon et qui évidemment nous permet d'arriver chez nos téléspectateurs dans de très bonnes conditions. Qui avons-nous aujourd'hui, Divine? Aujourd'hui, derrière la caméra, nous avons Enoch Mafouka. On l'appelle Métis Noir depuis un certain temps. Je me demande même pourquoi. L'infatigable. Et surtout à Florent Okita qui fait un travail acharné. J'ai vu courir dans le couloir, c'est bon pour venir. Voilà, pour être à l'heure, c'est ça, des travaux. Voilà. Mais c'est le chiffre, il faut quand même toujours rappeler, c'est le boss. C'est les boss? Oui, c'est très important. On l'appelle le boss? Donc, merci beaucoup à Florent Okita, le boss, le patron, les chiefs. Je sais qu'on aura Torres Satibo qui certainement oui, est en route. Oui, certainement, il sera là. Voilà. Et, mais côté régie, nous avons... Merci du côté de la régie à Daniel Dacruz. La personne la plus aimable de la FM Télévision. Mais c'était pas moi. Non. Mais tu me disais. Depuis que un certain moi. Temps, c'était plus toi. Et nous disons aussi merci à Gaylor Mouya dans la régie. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que nous arrivons dans de très bonnes conditions. Oui, Bélo Galobaka. Vous venez à Kaboué, Porte Fongami, Chadra Kembo, Arkoti. Nous te disons aussi merci et bonjour à toi. Très bien. Moi, je profite de saluer les boss, Maître Malo et Billy Cléophas, les doubles maîtres. Et voilà pour les cadres, surtout pour la confiance, pour les coachings, les premiers réalisateurs de exactement. Cette émission. Voilà, merci à toute l'équipe, à la rédaction qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h pour les informations. Mais d'abord, c'est quoi les programmes? On va commencer avec la première partie de nos rubriques. Nous aurons le conseil du jour, le ça sera pour jour. Tout à l'heure. Oui. La chanson du la jour. La chanson du jour. Est-ce qu'on va danser aujourd'hui? Je pense que c'est la rumba. Il faut tenir ta promesse. Tu m'as toujours promis de danser avec moi. Je vais danser avec Enoch. Avec Enoch? Oui. Très bien, bon, pas de problème comme ça. Moi, je vais danser avec Laurent et Kita, ça fera rien. Juste pour transmettre la bonne ambiance. Voilà les programmes de ce matin, mais on rappelle en même temps que nous aurons des invités. Oui. Encore de jeunes qui seront avec nous, avec qui nous allons essayer de passer à arriver toute la situation qui voilà, dérange, qui atroce le jeune. Donc, les jeunes ont une grande place, voilà pourquoi ils seront des nôtres. Et dans les minutes qui suivent, à la deuxième partie de l'émission pour aborder les sujets mystères liés à un trait évidemment au sujet de la jeunesse congolaise. Exactement. Ça sera le moment de passer à nos rubriques. On va commencer avec les... Le conseil du jour. Dans Daniel Dacruz, le conseil du jour.
Les conseils du jour, c'est maintenant. Je vais faire la petite école rapidement, la petite pédagogie pour nos téléspectateurs. On vous donne chaque matin cette rubrique, justement parce que, voilà, donner de l'argent à quelqu'un, ça peut passer. Ça peut passer, peut l'utiliser, ça finira évidemment. Mais donner des conseils restent. Oui. Moi, tout ce que je garde, au-delà d'autres aspects, tout ce que je garde de mon père, ce sont ses conseils. Oui. Et je me rends compte que ce conseil m'accompagne à chaque pas de ma vie. Tu vas m'aider aussi avec des conseils? Pas de problème. Mais oui. Ici, on a quand même un auteur infatigable qui cesse de nous nourrir chaque matin. Il s'appelle Maître Emmanuel Billy Cléophas et qui encore ce matin va nous conseiller à travers cette rubrique. Alors, Divine Ciala, vous l'avez préparé pour nous, pour nos téléspectateurs. Oui. Qu'avons-nous dans le conseil du jour? Le conseil du jour, si Dan Daniel est avec moi, le conseil du jour, si la mort ne vous humilie pas, rien ne les fera. La vie est temporaire, le monde se souviendra de vous par le problème que vous avez résolu ou vous avez créé. Votre vie doit être ordonnée. Est-ce qu'on peut répondre ça à haute voix tous les deux ensemble? À trois, on y va. Un, deux, demi, trois. Allons-y finalement. Si la mort ne vous humilie pas, rien ne le fera. La vie est temporaire. Le monde se souviendra de vous par les problèmes que vous avez résolus ou vous avez créés. Votre vie doit être ordonnée. On peut le faire comme à l'école maternelle. Tu as fait l'école maternelle, j'espère. Oui. Allons-y comme à l'école maternelle. Si la mort ne vous humilie pas, rien ne le fera. La vie est temporaire. Le monde se souviendra de vous par les problèmes que vous avez résolus. Où vous avez créé. Votre vie doit être ordonnée. Mais franchement, moi je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école maternelle. Quelle façon de lire ça? C'est intéressant ça. Ça fait du bien, ça fait du plaisir. En tout cas, c'est fort comme exercice. Hein. Oui. C'est plus que faire le sport. Hein. Oui, en tout cas, il faut aussi dire merci à ces dames-là de la maternelle parce qu'ils ont un grand cœur. C'est vrai. Il ne faut pas suivre les rythmes, mais sinon, à travers leur technique, ça nous a tous appris à lire. Très bien lire. Même. Alors, mais quand même, on peut le voir, c'est un conseil très long. Et nous allons aller très mollo-mollo divin. Très mollo-mollo pour permettre justement à nos téléspectateurs aussi de comprendre, mais surtout de s'exprimer librement sur notre page Facebook, par exemple. Exactement. C'est là où ils en ont déjà l'habitude, et même sur notre numéro qui est affiché. Est-ce que Dan Daniel Akous peut encore nous redonner les conseils du jour? Comme ça va nous permettre de procéder à l'analyse, à la lecture, en tout cas très doucement. Si la mort ne vous humilie pas, rien ne le fera, divine. Déjà, la mort, c'est quelque chose qui nous ramène tous à la prise de conscience. Aujourd'hui, nous voyons des gens fortunés. Dès qu'ils meurent, il n'est plus fortuné. On l'appelle pauvre. Pourquoi on l'appelle pauvre? Incapable d'être enterré avec son argent, sa fortune. Incapable. Les biens restent. Déjà, la mort, c'est quelque chose qui doit nous interpeller à prendre conscience. À être humble, déjà quand tu es en vie, déjà que la mort nous humilie. Sans forcer, sans rien, la mort déjà nous met à terre. Donc il faut déjà être humble quand tu es en vie pour que quand tu vas mourir, les gens se souviennent de toi. Nous le voyons même à d'autres parties de notre conseil du jour que notre vie doit être ordonnée. Quand tu es en vie, tu dois savoir marcher selon le conseil que le parent... L'église, pourquoi pas des amis nous donnent et surtout nous devons savoir. L'école par exemple. Oui, et surtout l'école, le conseil qui nous permet de marcher droitement. Si je dois quand même donner aussi un point de vue par rapport à cette première partie, si la mort ne vous humilie pas, rien ne le fera. L'auteur veut tout simplement nous dire tel qu'on vit, tel qu'on meurt. Oui. C'est-à-dire votre façon de vivre va déterminer votre façon de mourir. C'est-à-dire, si vous étiez méchant en train de faire du mal aux gens, vous mourrez de la sorte. De la sorte, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il faut être bien. Celui qui est bien avec les gens,
Et voilà, même sa mort, ça sera comme ça. Moi, ça me fait penser rapidement pour la petite histoire. Rapidement, je l'ai fait très vite. Et il y a quelqu'un, durant toute sa vie, il était un type de retard. Lui arrivait toujours en retard. Même s'il a un rendez-vous à 12h, il va arriver à 14h. La fête n'est jamais été là avant qu'on a besoin de lui. Et qu'est-ce qui arrive? Et il est mort après. Le jour même de son enterrement, on part à la morgue. Le type qui garde la clé de la morgue est sorti. il est rentré à la morgue vers 15h. Oh là là. Le temps va ça la bouée. Mtonga akaba sokoli va sur la kaka. Ta famille. Quoi bibi la manaï. Oncle Fenem la mabousse la mananda. Oncle Azim ou Takouzo Bilamba a commandé le corps finalement sorti de la mort à 16h. Bah, comme un cimetière, les types qui devaient creuser à sa ligne à Timbolité. Donc il faut attendre. Bah, Timbolabé, Bakunda, il y en a 20h59. Donc 21h. Presque 21h. À ça qui est en retard. Et rattrapé, Bakunda est en retard. Alors, tel qu'on vit, c'est tel qu'on meurt, c'est tout ce que l'auteur nous a dit. Et surtout que la vie est temporaire. Si vous avez fait du mal aux gens, on va vous faire du mal et votre mort sera un peu symboliquement un petit peu le signe, par exemple, de votre vie, évidemment. Donc, il faut faire attention, tel qu'on vit, tel qu'on meurt. Ouais. Si vous ne faites pas du bien aux gens, si vous êtes là pour en train d'humilier les gens, vous serez humilié lors de votre mort. Bah, dans saboté, on va te saboter, on va pas te prendre en considération alors que ça n'a pas. Alors on doit arranger puisque là on est vieux, on a l'opportunité d'arranger les choses. On va continuer d'un Daniel Dacruz encore les tests pour permettre aux gens qui nous prennent en cours, de se retrouver dans les conseils d'aujourd'hui. On va aller très vite. La vie est temporaire. Dit ça passe. Ça passe. Personne tout passe, comme l'a dit un auteur, tout passe, tout coule, tout marche, rien ne s'arrête. Voilà, donc la vie est temporaire. Aujourd'hui c'est vous, demain ça sera l'autre. Ça sera quelqu'un d'autre. Le monde se souviendra de vous, et c'est ici que c'est intéressant, oui. Le monde se souviendra de vous par les problèmes que vous avez résolus ou par les problèmes que vous avez créés. Oui. Il me semble que vous créez un problème pour Koufi Nayo. Alors quand nous serons là, nous allons créer qui est ma bé. Au fond, ce qu'il y a, ce qui... Tout ça, la situation, oh, et ça, c'est un peu de heureusement qu'il y a voilà, mais quand ils sont en mal, vraiment. Yo, on y va, ma vie. Quand quelqu'un meurt, quand il s'arrête, il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. En tout cas, c'est un peu comme bateau, parce que là, il y a gauche, au ligne, au bout. Il y a droite, au bout. Finalement, quand matin, on va comptabiliser, on va 17 balles. Charge en article 9. Et surtout les gens qu'on appelle les voleurs. Aligi, Alelo, Aligi, Kunalo, Aligi, Kunalo, comme un, oui, les voleurs. Il y a un peu de mal. 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 Et comme il bande quoi famille, ils sont pas amis balé, au ticket bah tu cherches. Donc les gens à chaque fois qu'ils ne seront pas exactement à chaque fois qu'ils ne seront pas amis, ils vont se faire banane. Ils vont toujours penser à toi. T'as la charge au ticket là bas. Papa. Ordonnez-vous, et puis surtout avec des personnes au hasard, alingi, ah lobby, alingi, puna, alingi, puna, alingi, famille bien. Famille. Donc c'est un peu ça en fait. Très bien. Allez, salutations à tous les Miyibi. Courage à vous les Miyibi, mais changez surtout. Surtout, il faut changer. De l'autre côté là-bas, les gens sont agités. Pourquoi? Je sais même pas. Peut-être. C'est quoi le problème? Oh, toi tu es comme un Miyibi. Parce que c'est quand même un conseil. Miyibi, il faut faire attention. Au lingi lobi, le lokuno que au lingi, il faut faire vraiment très attention. Surtout ceux qui sont Bali. Surtout ceux qui sont Bali. Concentre-toi sur ta femme. Moi, comme bâton de commandement, Tika la bise. Alors, c'est le conseil du jour d'abord. On va terminer donc le problème au lieu résoudre. Na au lieu pas au tiki, ben au cancela kayor. Et surtout, ce que zaki monte ma b. Babilo quand ma b mine na muto abatelo ngarate que babilo quand malam. Ce que ça rama b, les gens penseront toujours à ma b niens au bandaka kosal. Mais aussi divine dans ça.
ça nous pousse aussi à être honnête. Le Congo de Koufi que des éloges. Ah, ça l'a qu'à bien. Attends, ça l'a qu'au bon moment. Ça l'a qu'à bien. Donc, il faut aussi que je me honnêtement. Et là, tu peux me dire que tu créé un bon témoignage. S'il n'a jamais été bon, non, tu rendrais hommage parce que Koufi on aurait, mais il ne faut pas aller jusqu'à fabriquer des témoignages. Alors que dans sa vie, il n'a jamais été quand même quelqu'un de bien. Faut alors, quand on même être aussi reconnaissant, hein, ceux qui m'ont coupé, ils ont raté le coup, qui m'a baissé, qui m'a baissé en plus. M'a bien emballé en plus, mais il faut dire clairement les choses. Sachez-les bien, chers téléspectateurs, le monde se souviendra de vous à travers ça. Au Bomaka, et moi, je voulais dire ça au président rwandais Paul Kagame. Le monde se souviendra de toi pour tout ce que tu fais, pour le sang qui coule, que justement, tu es en train de créer. Dans l'est de notre pays, le monde se souviendra de ça, et tôt ou tard, ça va vous rattraper. Le mal même reste pas celui, le mal. Sa génération, le mal reste génération le mal. Génération en génération. Mais franchement, Fink, ça va t'amiquer. C'est toi, Fink, ça fera ou non, en tout cas, on a Florent tout ça sur le Congo, les bonnes amies qui ont été des pères et des mères. Surtout toi, en te regardant comme ça, vraiment, tu ressembles à Paul Kagame. Mais c'est la coïncidence à ma vie. Et c'est le roi, ma vie est pessimiste. Il y a des cocolanas sanguinaires, mon roi Paul Kagame. Même si tu es sur le bon ami qui est peu. C'est quoi ton autre ami? Attends, Nandoto. C'est quoi ton autre ami? Ngolo, Ngolo, Yéza Kagame. Comment ma bébé, on a un kéno. Toi, tu n'as pas changé de nom. Hein? Tu n'as pas changé. Non, on me divine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis congolais des pères et des mères. En tout cas, ça, on Papa doit. Nanga Maloua, c'est un congolais, 100% congolais. Mère Nanga, Léonie Kabedi. Madame Ouït. Ton madame Fifi. On a coordonnatrice. Fifi, on a grande sœur. Père Nanga Jun Ngolo, des pères et des mères. Parce que Makila va Kagame un sanguinaire. Alors finalement, on va terminer. On va terminer on le voit, conseil du jour. La dernière partie. Qu'est-ce que l'auteur nous dit, Daniel, Daniel Dacruz? En dernière partie, il y a une recommandation que l'auteur de la pensée nous donne. Votre vie doit être ordonnée. C'est que comment on fait pour ordonner sa vie divine? Ça renvoie déjà à l'honnêteté. Il faut être honnête avec soi-même. Honnête dans tout ce que tu fais, surtout la conscience. Sois seulement conscient de ce que tu fais et ta vie sera ordonnée. Parce que si tu es conscient, le bien et le mal, oui, c'est parce tout que si tu es conscient, il y aura des limites, il y aura des choses que tu ne peux pas faire, même quand peut-être en cas de force majeure, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ordonner sa vie signifie aussi autrement, chers téléspectateurs, Zalam Moudmou y a ordre. Même si Kovandi, le Kobo, ou Bakina gauche, et le Kobo, ou Bakina droite. Raison pour laquelle j'ai parlé des Miibi. Ils ne sont pas stables. Oui, bon, ordonnez vina Luka, moi c'est mon mouvement d'Anaï. Faites comme nous. Et moi d'ailleurs, j'attends l'approbation de Divine qui est là. Si c'est bon, on sera tous les deux mariés finalement. Ça, tu donnes le secret à nos téléspectateurs, Lionel. Non, mais je préfère être encore Mouyibi. Alors, non, tu préfères être encore Mouyibi. Mouyibi Lionel, on nous dit d'ordonner nos vies. Donc, nous devons ordonner. On dit, celui qui enseigne s'enseigne soi-même. Voilà. Donc, nous aussi, on s'enseigne. Celui qui nous a quitté des ordonnées, tu peux prendre la décision devant ta caméra d'ordonner ta vie. Moi, je prends la décision d'ordonner ma vie. En tout cas, tout ce que je vais faire. Je vais faire avec beaucoup d'honnêteté, conscience, pour que je ne puisse pas être mouillibi comme certaines personnes. Justement, de prendre la façon des gens, je vais faire appel à quelques personnes et je souhaiterais au fond de leur cœur qu'ils puissent décider d'ordonner leur vie. Galan Mouya, ordonnez votre vie. C'est le chef. Oui, mais il faut quand même qu'il puisse ordonner sa vie. Et surtout, chef, un homme. Ordonnez votre vie. Pas comme on gagne un métier noir. Ça commence toujours petit à petit comme c'est. Et puis, chaque 12 et 13 heures, tiens, musique à Bolingo. C'est comme hier dans la salle de conseil de Rita. Est-ce qu'à son âge, il a besoin de l'amour? Non, je ne pense pas. Il doit encore travailler. Est-ce que Flora a besoin d'ordonner sa vie? En lui regardant. On n'a pas les partis pris. Non, non, en le regardant, je pense que non. Lui, sa vie, apparemment, c'est ordonnée. Lui, Lucadi. Est-ce que Daniel Dacruz en a besoin? Il est marié. Hier même, il nous a donné un très bon conseil. En tout cas, je pense qu'il est ordonné. Est-ce que Hugo est ordonné? Je ne crois pas. Est-ce que Torres a dit vous êtes ordonné? Et comme le Kéma, mais Souka Wana. Est-ce que les gens du montage, ils sont ordonnés? Je crois Jessie. Jessie est ordonnée? Francine, non.
Tu vois, finalement, moi, comment tu me trouves, je suis ordonné. Toi aussi, tu dois ordonner ta vie. Ah, tu vois, toi, tu n'as jamais été gentil avec moi. Prends la décision devant ta caméra d'ordonner ta vie. Ne jamais gentil avec moi. Je suis toujours gentil avec toi. Je viens de te dire, même à nos téléspectateurs. En quoi ma vie n'est pas ordonnée? En quoi ma vie n'est pas ordonnée? Quand on parlait là de... En quoi ma vie n'est pas ordonnée? Il faut laisser les vies des milliers. Ce n'est pas bien. Quand on donne le conseil, on nous donne aussi à nous-mêmes. Devant ta caméra, prends la décision devant tes téléspectateurs que tu vas ordonner ta vie. C'est tout ce qu'on nous demande. Vous pouvez s'arrêter là. C'était le conseil du jour, justement, pour vous, chers téléspectateurs. J'espère que ça va vous aider à prendre des très bonnes décisions, surtout faire des bons choix. Puisque notre vie en dépend. Allez, on va passer à la chanson. À la chanson du jour. Ça sera le moment de danser, de bouger, voilà, de mettre un petit peu de chaleur dans vos maisons. Ça sera tout de suite avec Dame Daniel Dacouz et Golor Mouya, la chanson du jour. La chanson du jour, c'est avec vous, Divine Ciala. C'est quoi le morceau d'aujourd'hui? Aujourd'hui, pour faire plaisir à nos téléspectateurs et à nous-mêmes, nous avons choisi la chanson de Guez Maëté, Maîtresse, à tous les Miyibs. Ah, et donc, il n'est qu'à Miyibo, il est aussi qu'à terre. Il va mal. Il faut ordonner votre vie. Et puis, on te a zappé dans le niveau monde. Un Miyibi, tout le monde a zappé. Papi, on a zappé. On a zappé. Pour qu'on prenne une décision à FM, pour tout le changer. Nous allons danser avec Guez Maëté, Maîtresse. Pour faire plaisir à qui? À deux personnes. À deux personnes, oui, c'est pour faire plaisir à Guélor Mouya et à... Vous voyez, ma gamme, Tika chef. Tu m'as demandé de choisir deux personnes. Dans deux personnes, moi, c'est pour faire plaisir à Madame Guélor Mouya. Madame, ça fait longtemps que je n'ai pas de vos nouvelles. C'est ça, c'est pour vous. C'est pour faire plaisir à Dan Daniel Dacruz. Oh, Tika, Maman Ghislaine Dacruz, c'est pour vous, c'est pour vous faire plaisir. Oli, ma TFM, Béli. Bon, c'est pour faire plaisir à Lionel. Merci à vous, Madame Gladys Mouya, mère Yonde. Merci, maman, de nous suivre. Et je profite également, puisque tu as la moto de ma maman. Ça me fait penser à maman Ghislaine Dacruz, mère. Batela Ponanga, Asael Carla. Anaël Dylan Dacruz. Généreuse Mouya, bébé généreuse. Tonton, ça c'est pour toi. Alors j'espère que cette chanson a fait plaisir à beaucoup de personnes. À qui par exemple? À Isabelle Voudi, ma soeur, à Abigail Bassissilo, ma soeur, à mon père. J'espère que ça t'a fait plaisir. Papa n'a pas de nom? Lionel. J'espère que ça a fait plaisir à Ellipsis Mawissa, à Mervedi, à Rémi, surtout à Rémi. À Nere Mangassa, c'était pour ton plaisir. Je n'oublierai pas Keila, le cœur de quelqu'un. Je ne citerai pas des noms. Moi, je peux citer quand même les noms. Je pense que cette chanson a fait plaisir À Florian Okita. Oui, très bien. Ok. Non, mais nous, quand même, la connaissance exacte. Ah, il va connaître. À Maître Malou Abili Théophas. À Cordon Apollinaire. Je pense que cette chanson a fait plaisir à Papa Jean. Pour conclure. Oui, mais justement, je profite, puisqu'on va prendre déjà la prochaine rubrique, on va prendre le documentaire. On vous rappelle que vous aurez l'occasion de revivre tout ce qui se passe du côté des Qatar pour la 20e édition de la Coupe du Monde. FM Télévision se mobilise, se prépare pour vous donner
faire vivre la suite de la compétition. Donc, à partir des quarts de finale, vous aurez quand même le droit de suivre et calmement, avec de très bonnes conditions, voilà, vous retrouvez la grande équipe sportive de FM Télévision pour vous proposer la retransmission des matchs. Coupe du monde, nous avons goût. Je pense que la finale, nous allons à Qatar. À Qatar. Oui. Très bien. J'espère que notre maître Malo Abili va aussi déléguer une équipe, mais en même temps, il y aura un plateau spécial pour vous, pour vous permettre de venir, vous, sponsor, vous voulez faire connaître vos produits, n'hésitez pas à contacter le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Pour nous saisir, entrer en contact avec la direction Bokoyawa, plateau, ils allaient largement à vous pour le service et bah, produit Nabino pendant la Coupe du Monde. Mais on rappelle quand même, après la Coupe du Monde, on restera à vous faire revivre des matchs. Et la Ligue des Champions, par exemple, qui va reprendre fin février, mi-février, les championnats européens, tout ça, ça sera à vivre sur la Fondation Malo Atelier. Exactement. Et surtout chez nous, vous avez l'opportunité de nous suivre même sur YouTube. Hein. Oui, très bien. Surtout, donc, Fondation Malo sur YouTube. Voilà, c'est aussi à retrouver. Alors, Divine, on va marquer une pause pour laisser nos téléspectateurs se documenter. Donc, on va prendre le documentaire. Et c'est quoi les documentaires d'aujourd'hui? Les documentaires d'aujourd'hui, nous allons à Dubaï. À Dubaï? Oui, nous allons à Dubaï. Nous allons voir l'hôtel Burj Al Arab. Ça se trouve à Dubaï. Comme tu rêves de faire un tour à Dubaï? Oui, pourquoi pas? C'est un très beau... On va faire un tour l'année prochaine. L'année prochaine? Non. L'année prochaine. On commence d'abord à Dubaï, comme ça on va aller terminer au Qatar. Oui, pas de problème. Moi, je voulais d'abord qu'on fasse des fêtes de fin d'année ici. Après, on fait un tour à Dubaï. D'accord, ça me va en tout cas. Même les téléspectateurs sont témoins dans ça, mais mingaté, je viendrai seulement t'accuser. Non, je l'ai dit à la télévision, je tiendrai à ma promesse. D'accord. Allez, on va suivre ensemble ce documentaire. C'est quoi encore le titre? Mais surtout, en parlant de Dubaï, ça devient le pays des affaires. Oui. Et même nos nombreux Congolais qui vont faire des business là-bas. Et avec cette stream, vous allez comprendre à quoi ressemblent ces pays, d'ailleurs, qui montent en puissance sur le monde des affaires. Allez, Divine et moi, on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission.